Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour la suite de nos aventures pharaoniques dans Pharaoh A New Era. Et aujourd'hui, on va s'attacher à faire la cité de Serabit Kadim dans le Sinaï. Condition de victoire 2000 habitants et un niveau de royaume de 80. C'est une carte qui va être orientée action militaire. Autant vous dire que ça ne devrait pas nous poser beaucoup, beaucoup de soucis. Comden, son prédécesseur, le pharaon Ouni a ordonné une expédition dans le désert du Sinaï pour collecter des pierres précieuses et du cuivre. Il souhaite que vous preniez le commandement de l'expédition en direction de Serabit Kadim, un lieu où subsistent quelques vestiges d'un avant-poste égyptien. Nous ne connaissons pas l'état de ces ruines, mais elles pourront servir de refuge en cas d'attaque. N'oubliez pas que la dernière expédition envoyée dans la région n'est jamais revenue. Nous n'avons également aucune nouvelle des hommes partis à sa recherche. Mais nos soldats ont besoin d'armes efficaces en cuivre, un métal rare dans notre royaume. Soyez vigilants, car vous risquez à tout moment de tomber dans une embuscade préparée par les Bédouins du Sinaï ou nos ennemis cananéens. Récupérez autant de cuivre et de pierres précieuses que possible afin de satisfaire les exigences du pharaon. S'il vous reste des pierres précieuses, vous pouvez faire appel à des orfèvres afin qu'ils créent des bijoux pour les habitants de l'avant-poste. Donc on le sait, on va recevoir beaucoup de requêtes de la part du pharaon. Alors, on a comme ressources du cuivre, de la pierre précieuse, on pourra faire une mine de cuivre dans le secteur. On a déjà quelques murs qui sont en place. Alors avec le nouveau système de militaire, ils sont pas spécialement utiles sauf pour se prémunir contre ces satanés scorpions. Donc là on a également de quoi faire des mines de cuivre. Donc on pourra faire énormément de cuivre, énormément de pierres précieuses. Ok, alors on a un avant-poste ici. Visiblement ça va être Ra, notre dieu tutélaire. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est Ré. On a Ré, Hepta et Seth comme dieu, très bien. Là, on a également des gisements. On n'aura pas de mine d'or, en revanche, ici. Ouais, c'est ça. Et je pense que niveau bouffe, on a ouais, du pavillon de chasse. Un point, c'est tout. D'ailleurs, j'ai pas vu où étaient les autruches sont là. Donc les autruches sont ici, pas de problème. Ok. Parfait. Bon, bah une petite carte qui va être assez simple. On va pouvoir mettre nos habitations à différents endroits. Je vais peut-être m'établir dans ce secteur-là, ça me semblerait le plus simple. Et on va tout de suite aller voir la map au niveau du commerce. Alors, Mennefer va nous acheter des pierres précieuses et des bijoux. Donc c'est très bien. On va commencer par faire ce genre d'industrie. Ensuite, Sakara, on n'y a pas accès. Neken, du papyrus, bof. Bedet, pierres précieuses, bijoux, très bien. Abou, papyrus, poterie, bof. Et Selima va nous acheter 4000 de cuivre. Good guy Selima. Parfait. Donc on va peut-être même commencer. Alors attendez, on va peut-être vérifier quand même le prix parce que Selima ça coûtait cher. 1100. Mennefer, 350. On a 15 000 balles. On pourrait carrément se permettre d'ouvrir les deux routes commerciales en même temps. Il va falloir que je trouve un système parce que j'aimerais bien que. On va produire, je pense, majoritairement notre cuivre ici. On va l'envoyer par là. Ok. Bon, je vois à peu près ce que je vais faire. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien ne pas faire de bêtises. Très bien. Je vais tout de suite mettre mon pavillon. Comme d'habitude. Va le mettre comme ça. C'est là que c'est le moins gênant pour nos bloqueurs. Alors là, on peut même aller. Non, peut-être pas. On va pas exagérer. On va pas exagérer. Parce que j'aurais pu très bien augmenter la portée des habitations, là, je pouvais carrément en rajouter deux autres, mais elles ne seraient pas forcément tout le temps desservies, donc on va éviter de faire ce genre de petites drôleries. Hop, je relâche la pause.
Et on est parti sur notre pattern d'habitation. Alors cette fois, je vais faire le bazar plutôt de l'autre côté. De ce côté-ci, parce que c'est par là qu'il va falloir aller chercher la bouffe. Très bien. Alors, on va se faire quelques ponts. J'espère qu'on en a. Ouais, on en a. J'en ai un là. Je peux en avoir un ici. Et on va se faire nos pavillons de chasse. On va faire 4, on va pas lésiner sur la dose. On va mettre du gibier, tout accepté. Et je vais en remettre un autre un peu plus proche par ici. On va être caché derrière une grosse statue. Hop. Remplir tout. Et on n'oublie pas. De protéger l'ensemble. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Ensuite, comme on risque d'être attaqué très rapidement, on va aller faire nos mines de cuivre, parce qu'il nous faut rapidement, très très rapidement des armes. Alors en termes de structure défensive, oh, on peut pas s'en faire d'autres. Oh, moi qui pensais que c'était débloqué à partir de cette mission-là. Je suis tristesse. Je suis tristesse, et bah c'est pas grave. On va faire de quoi produire des armes. Lui, il va accepter le cuivre. Et lui, il va accepter les armes. Parce qu'on va sans doute avoir des requêtes d'armes, hein. Faut pas se voiler la face. Là, et on va aller ouvrir nos deux routes commerciales. Même peut-être même la troisième. Allez, de toute façon, on a plein de thunes. On va rusher un petit peu le truc. Et je vais me faire une place des fêtes. Je l'ai faite trop proche. Petite bénédiction de 7, c'est bien gentil de ta part, mon coco. Hop. On va acheter du gibier. Et on va se faire une production de gemmes dans le secteur. Ça devrait pas être un gros gros problème, je pense. Je vais regarder où on en est niveau main d'œuvre. Parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Alors on va se mettre de la production d'articles de luxe. On va s'en mettre 4. Ensuite on va regarder notre chef du commerce. Et on va lui dire, mon petit coco, ça tu nous exportes au-delà de 1000. Ça est disponible pour l'exportation. Exporter au-delà de 1000 également, et ça on va l'exporter au-delà de 1000 aussi. Alors ça va nous mettre un petit peu de temps, mais
On n'a pas vraiment d'autre choix malheureusement pour commencer. Je vais me faire un deuxième bazar là-haut. Qui va également accepter le gibier. Alors que je me rappelle les conditions de Comden. victoire, c'est 2000 habitants. Pff, oh là là, aucun problème. Absolument aucun problème. Et il me reste 3000 balles. On va faire tout de suite notre grand ensemble de temples pour notre dieu. Comme ça, il sera content. D'ailleurs, je me rappelle que mission précédente, j'avais oublié d'upgrader l'ensemble de temples. Donc on est passé à côté de bonus qui étaient sympathiques. Donc là, on a un hôtel. Avec un hôtel de maths, la déesse du style de crime de votre style sera freinée. Bon, c'est pas très intéressant. Au risque du pharaon, vos employés sont encouragés à vaquer à de bonnes grâces à leurs tâches quotidiennes. Donc ça veut dire que ils seront inspirés à travailler pour le plus grand bien de l'Égypte. Je sais plus si ils acceptent d'être payés moins cher ou un truc dans le genre. Ou alors ils travaillent plus longtemps, je ne sais plus. Il faudrait que je relise en fait le guide du jeu. C'est marqué dedans. Je ferai ça après l'épisode. Il me faut de quoi divertir cette bonne population. Hop. Hop là. Hop là. Et on va également tout de suite commencer à faire notre centre de recrutement. On n'a pas d'académie en plus. D'ailleurs, je l'ai mis un petit peu loin, mon centre de recrutement, c'est pas une bonne idée. On va le mettre près de la production d'armes, ce sera mieux. Un centre de recrutement ici. On va se mettre un petit fort d'archer. Ouais, je sais, je dilapide mes sous. Mais vous en faites pas. On est large. Je vais me faire un fort de fantassin. Pour l'instant, les scorpions, ils sont là-bas, ils sont au loin. On va les bloquer pour empêcher qu'ils viennent jusque chez nous. On va leur faire des petites statues. Hop là, très bien. Et ici, je vais me faire une route. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le secteur, j'ai rien mis pour protéger contre les effondrements et les incendies. Donc, un de chaque, de chaque côté. Et je vais voir mon chef du commerce. Ouais, si c'est bon, j'ai bien tout mis. Au-delà de 1000, ça exporte. Je vais aller regarder aussi au niveau des impôts, je vais les diminuer, même si pour l'instant on ne les collecte pas, mais on les collectera à un moment donné. Hop, et on accélère la vitesse. Pour commencer à exporter, ça va nous faire du bien. On était un peu sec en liquidité. Et une armée bédouine passera à l'attaque dans 12 mois. C'était plutôt une bonne chose que de lancer l'armée au plus tôt. J'ai peut-être même un peu trop tardé. Alors, ils vont acheter nos produits en plus grande quantité, c'est très bien. Un cadeau de pois chiches. Un cadeau de pois chiches. Alors, les pois chiches, ça va être un petit peu embêtant. On va les accepter, bien évidemment, hein, mais on va les stocker dans un entrepôt au loin. Il en faut 1500. Ça, on peut accepter. On a 17 mois pour y répondre, ça devrait le faire. Allez hop, c'est parti.
Oh, 3200 de pois chiches carrément. Eh bien, si j'avais su. Une armée canadienne approche dans 2 ans. Eux, ils arrivent dans 6 mois. Eux, ils sont contents. On va acheter également du pois chiche pour la peine, puisqu'on a de la bouffe autant que ça serve. On est bien remonté niveau trésorerie. Et je vais peut-être me faire ici un entrepôt qui va remplir tout comme ça. Les marchands n'ont pas besoin d'aller jusque là-bas pour récupérer le cuivre. Là, j'ai 16 soldats. On va se refaire un petit fort de fantassin. On va même en faire 3 de plus, hein. On mange pas de pain. Une armée ennemie arrive dans 1 mois, aucun problème. C'est de se faire un plaisir de défoncer les adversaires. On n'en a plus qu'un seul. Allez, je continue. C'était vraiment pas une bataille difficile. Parfait. Maintenant qu'on a de ça, on va se mettre un entrepôt dans le secteur. Je vais regarder quel est mon niveau du royaume. On est à 58 pour 80. Il va nous falloir encore un petit peu de temps avant de pouvoir remporter la mission. Sauf si on spammerait avec des fêtes. On est déjà à 73. Alors vous savez quoi? On va faire encore un petit trick. Celle-ci, elle va vraiment aller très vite, hein. Hop, on se met notre demeure personnelle. On va accepter ici la poterie pour le quart. Et accepter la bière pour le quart également. Et normalement, avec quelques importations stratégiques, on devrait pouvoir s'en sortir. À 34% de chômage. Ah, peut-être que du coup, la population n'augmentera pas. Les langues de logement freinent l'immigration. On va tester. On va tester. Alors, importer. Alors j'ai mis importer les biens requis, c'est une mauvaise idée. 800. 800. Ça on peut pas. Ok. Au niveau des dieux, Ptah et Seth sont en colère. Alors, on va rajouter des temples. S'il n'y a que ça, hein. Les gars, c'est pas un souci. Et on va leur rajouter un architecte, un pompier. Et lui, on va lui dire d'acheter la bière. Lui, on va lui dire d'acheter la poterie. On va combler l'ensemble avec des plazas. Et ce serait bien si j'arrivais à répondre à cette requête rapidement. Hop. Il manque encore 200. Voilà. Hop, 1 an. Normalement, on a tout ce qu'il faut niveau royaume là. Alors 5, ouais, on a 93, 29, 25, il manque plus que la pop. Ça ne devrait pas être un gros challenge. On va se rajouter un petit palais. Alors pas un palais village, un palais de justice. Un palais de justice. Et on va rajouter un peu de déco par-ci, par-là. Que les gens soient heureux. Et voilà, une mission qu'elle était facile. Il n'y avait vraiment aucun challenge avec une mission pareille. Alors,
On va partir sur la mission suivante. Normalement, c'est Dashur Sud. Donc, on va retourner tout ça. On va passer plutôt sur l'autre mission qui nous était proposée. Donc, on est sur l'Ancien Empire. C'était Meidum. Meidum, ça va être un peu plus long. On va avoir une petite pyramide et un ensemble de pyramides à construire. Là, il va y avoir un peu plus de challenge. Mais je pense qu'au final, on verra peut-être ça dans un prochain épisode. On va pas s'embêter. Comme ça, je vais faire un épisode dédié, vu que l'épisode pour Meidum va être à peu près aussi long que celui pour Sakara. On va prendre le temps. On le diffusera un peu plus tard. On se retrouve donc au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!